Les Jeux du Canada 2013 débuteront à Sherbrooke dans une année très exactement. Le compte à rebours a été lancé jeudi soir avec un rassemblement des bénévoles au marché de la gare. La formule de type émission de variété était animée par le journaliste sportif Jean Harel de Radio-Canada. Les organisateurs des Jeux ont fait un bilan de l'état des préparatifs jusqu'à présent. Comment on se sent à un an avant le début des Jeux du Canada, Mme Leroux, M. Harel? Excitée, enthousiaste, confiante, mais nerveuse. Et vous, Trump? Exactement la même. Toute la partie planification est prête. Là, on tombe dans les opérations. Alors, juste à penser qu'en septembre, il faut acheter des milliers et des milliers d'équipements. Soit des ballons, des filets ou des bouées, pour etc. Donc là, on commence le processus d'achat pour qu'on arrive au printemps pour avoir les derniers préparatifs au niveau des infrastructures, donc des immobilisations, de grandes constructions. On sait que maintenant, là, on est à date. Notre comité organisateur qui devait réunir, organiser 20 services de base aux athlètes est prêt. Mardi dernier, on a franchi le cap du 1000 bénévoles. On en est très heureux. On en a besoin de 5000, bien sûr. Mais honnêtement, on s'était dit que si on finissait l'année 2012 avec 1000 ou 1500 bénévoles, ce serait très bien. Donc, de ce côté-là, je pourrais dire qu'on est en avance. Tu as participé aux Jeux du Canada, Alexandre, toi, hein? C'était à l'île du Prince-Édouard en 2009. Si je te demandais de me parler un peu de cette expérience-là. En un mot, wow! C'est certain que je vais être là, mais moi l'objectif que je m'étais mis en tête, c'est vraiment d'avoir un podium. Puis pour avoir un podium, je sais que j'ai mon bon coéquipier Marc-Antoine qui est à Sherbrooke ici, et ça va être moi puis lui qui va se faire la course pas mal pour première, deuxième position, je crois. Les Jeux du Canada servent de tremplin pour les Jeux olympiques. Vraiment une très, très grosse qualité d'athlète qui se présente là. Puis c'est ça, dans le fond, tout athlète qui aspire à participer aux Jeux du Canada, on va avoir une chance de voir participer aux Jeux olympiques plus tard. Puis c'est quelque chose qui est très, 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 très agréable.